Salut les gens, c'est Julien Laburne, je reprends du service sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un petit peu la nouveauté, donc le serveur actuellement qui s'appelle Atlantis. Pour l'instant il s'appelle Atlantis, donc c'est un serveur privé pour l'instant. On recrute par Discord. Donc là je vais vous présenter un petit peu le serveur, donc vous pouvez voir un petit peu, voilà. On tombe sur la, c'est la Modène, je crois que c'est la Modène, ça s'appelle, je crois. Ça c'est mon Steam ID, ceux qui veulent m'ajouter par exemple. Inquiétez-vous pas, c'est un serveur assez sérieux. C'est donc la Modène Roquefort Verbe. Là, je vais où? Ok. Donc là c'est la prison directement. Donc voilà, c'est marqué hein, prison Atlantis entre interdits sous peine d'être arrêté ou abattu. Donc voilà, enfin, je vous présente un petit peu à l'intérieur. Je vais pas vous présenter toute la map, je pense que quelqu'un la connaisse. Donc voilà, enfin, après voilà quoi, enfin, ça reste une map basique, avec les caméras, voilà. Donc et tout. Donc sur ce serveur, bon, je vais faire pop un petit peu 2-3 trucs. Donc, premier véhicule. Bah attendez, on va aller directement à la concession. Directement à la concession pour faire voir ce qu'il y a sur le serveur exactement. Donc là actuellement il y a deux pinges, véhicule plus de 100 000 euros, un véhicule moins de 100 000 euros. Donc on va aller au premier pinge, le inférieur à 100 000 euros. Donc voilà, une belle Alfa Romeo, la meilleure des voitures. Ensuite une Alfa Romeo Giulietta, enfin bref, ouais, Citroën Basique, la C1, la C4. Ensuite la Ford. Ford, bah celui-là en véhicule de campagne, la Ford Focus RS, le Ford Transit, Renault Super 5 et Renault Mégane RS. Donc voilà. Ensuite, je vais pas vous les faire spawn non plus, vous savez sûrement comment ça ressemble. Le véhicule plus de 100 000 euros. Donc, on va avoir de la belle voiture. Donc la Audi RS5 qu'on a actuellement. On a la Honda en niveau moto. Hein, franchement une belle moto, franchement il n'y a pas mieux, une très belle moto, franchement elle accélère très bien. On a mis la 600, on n'a pas mis la 1000, si on met la 1000, incontrôlable. Ensuite la petite Maserati Shelby S, nickel, franchement pour conduire, nickel, bonne accélération. Donc une autre Maserati, enfin une Maserati, franchement une très très bonne accélération. Bon, après je l'endommage un petit peu et tout, donc après c'est pas grave. Donc ensuite on a la McLaren. Franchement, une voiture mais qui accélère très bien. Ensuite, on a une Porsche Carrera GT. Par contre, les pinges, ils me dérangent. Donc après, c'est enfin une vieille voiture, hein, une Renault Alpine. Et ensuite, la S, la une petite Viper, j'ai une GT5. Donc voilà. Donc ensuite, comme métier, bah, je vous présentais déjà le véhicule. Donc le véhicule de police, véhicule de fonction directement. Donc tous les véhicules de fonction sont gratuits bien sûr. Donc là on a la meilleure des voitures, franchement la Tesla je vous la mettrai en test un petit peu après. Ensuite on a l'Alfa Romeo Giulietta gendarmerie, enfin police, c'est pareil. Parce qu'en fait c'est juste le skin qui, enfin là on voit pas le skin mais dès qu'il est pop on le voit. Donc une Dodge, une Charger. Ça c'est une hardcover, ça c'est la poursuite. Là je mets Toyota Prius gendarmerie, elle avance pas terrible terrible mais elle avance bien. Sinon au niveau bac, la Maserati Shelby. Là en BRI on a le niveau de la Maserati gendarmerie, la Lightbar, franchement c'est une bagnole qui avance super bien. Ensuite on a une Mégane RS, je vais vous en parler. Ça c'est le fourgon blindé du GIGN. Ensuite on a encore une non, alors ça c'est pour les canons de la paix, celle-là c'est pour la BRI. Même d'autres chargeurs undercover, ça c'est pour la BAC, c'est le skin modifié qu'on a mis en BAC. Gendarmerie nationale, donc ça c'est les petites fourgonnettes et tout. Donc ensuite on a cette voiture de base, voilà, gardien de la paix. Et ensuite on a un vieux d'assaut de sœur au niveau gendarme. Donc je vais vous présenter un petit peu au niveau militaire. Donc on a deux voitures. Alors la première c'est là, c'est ce truc Cougar, c'est le MRAP.
Franchement, c'est une voiture assez bien blindée. Et sinon, comme meilleur véhicule, on a ça pour un peu plus de vitesse, un peu plus de maniabilité du véhicule. Donc voilà, franchement, c'est une bonne voiture aussi. Je vais vous présenter les métiers pendant que j'y suis directement. Donc, en fait, on a réuni un pinch directement. C'est un pinch en fait de métier. Par contre, j'ai un appuyé. C'est normal que ça mette un petit peu de temps. En fait, c'est pour générer un petit peu tous les métiers. Donc là, on a radio DJ, on a technicien des caméras. En fait, c'est lui qui va poser les caméras à l'extérieur. On a le caméraman. Je pense que vous savez ce que c'est. Producteur d'amphétamine. Je pense que vous savez ce que c'est. Niveau avocat, par contre, vous faites quand une personne est en prison, vous allez le voir. Vous faites slash bail. Donc slash BAIL pour ceux qui veulent mal. Et en fait, ça va automatiquement vous mettre des balances. En gros, vous dites voilà, je te propose 500 balles et tu sors de prison immédiatement. Le mec il paye, tu ressens 500, enfin l'avocat ressent 500 balles et ensuite le gars est libéré. Donc citoyen, le métier de base, cuisinier, donc éboueur, SDF, banquier, dépanneur. Alors VIP, chef dépanneur, des VIP on en fera peut-être gagner. Gratuitement bien sûr, après ça dépend au nombre d'abonnés et tout. Ensuite on a transporteur, voleur, tueur à gages, psychopathe, gangster, chef gangster, mafia russe, chef parrain mafia russe, mafia italienne, parrain de la mafia italienne, VIP, cartel, chef cartel. On a le braqueur, on a le chef braqueur, on a le parrain de la triade chinoise, on a le quincaillier, vendeur d'armes. Par contre ça c'est un métier totalement remasterisé. En fait, on va pas faire spawn, enfin, on va pas dire, on va pas regarder F4. En fait, ça sera avec une table de craft. Je me mettrai après, directement. Au pire, je vous fais voir ça tout de suite. Je me mets comme ça. J'ai toujours table, inquiétez-vous, pas pour l'instant. Donc, dealer de drogue, celui qui va vendre de la drogue, bien sûr. Fabricant de weed, celui qui la fabrique. Le pompier, capitaine de pompier, organisateur de course, c'est un métier illégal. Bon après si vous faites pas chauffer par la BRI ou les gendarmes et trucs comme ça ira. Ensuite gérant de casino, on a gardien de la paix, on a gendarme, on a BAC, VIP, JGN, là on a la BRI, commissaire, VIP militaire, garde du corps, maire. Ensuite nous, enfin et fermier bien sûr. Et nous en niveau staff, on a staff et instructeur de permis. Donc là je vais vous faire voir un petit peu tout de suite. Je vais me mettre là. Je vais me mettre en plein milieu, c'est pas grave. Alors donc je vais vous faire voir un petit peu. Donc on fait pop là, on fait on met la, donc on le freeze par exemple. Bon, allez, je vais hop, je vais craft un pistolet. Et en fait la fabrication ça va être que comme ça en fait. Donc voilà, en fait on a un pinch qui est situé quelque part dans la map, assez bien caché. Donc ce pinch là justement il est bien. Et donc en fait on va venir fabriquer l'arme directement. En fait j'ai acheté les matériaux juste avant pour pas trop que ça dure longtemps. Donc j'ai fait ça. Ensuite j'achète la table. Enfin après que le magasin soit fait et tout. J'achète la table. Avec le nombre de matériaux on choisit quelle arme qu'on veut. Et par rapport à l'arme on choisit notre prix. Donc ensuite voilà, donc l'arme dès qu'elle est faite, alors si vous voulez, enfin moi je suis pas spécialiste, j'ai pas réussi. Donc en gros si tu veux tu fais ça. Donc en gros tu vas prendre ta table, t'achètes ta caisse enregistreuse. Donc voilà. Tu l'achètes, tu la mets là comme tu veux, tu prends ton Gravity Gun. Qu'un point sur le permis, ça c'est pas grave. Ensuite il faut faire ça, enfin je sais plus comment qu'ils ont fait. En gros tu vas devoir mettre ton prix dessus, tu vas devoir mettre ton prix dessus je crois. Je sais plus comment que ça se fait, mais enfin bref, enfin en gros on va mettre l'arme, on va mettre l'arme directement sur dans l'armoire. En fait tu vas mettre ton prix et tu vas t'inquiéter du client. Donc voilà, après c'était présentation vendeur d'armes assez sympa franchement. Donc là au niveau de la banque, pour l'instant on a la banque toute simple, hein. Il n'y a pas grand chose. Bientôt on aura peut-être bientôt le braquage à la PID. Bon après voilà, ça Atlantis for Life, hein, c'était le nom de l'ancien truc.
Donc voilà, fin plus 20 toutes les 10 secondes. Donc voilà, fin après quand t'es flic, t'es payé 250 euros toutes les minutes, je crois, ou toutes les 10 minutes. Ensuite, on a des ATM. Là, c'est le magasin. Je vais vous faire voir le. Bah, le, oui, l'auto-école. L'auto-école, voilà, elle est là. Par contre, il y a un pinch qui est complètement bugué, c'est celui derrière. Je sais pas pourquoi qui réparait toujours malgré. Voilà. En gros. Ah, bonjour. Un moment. En gros, tu vas, là, si tu vas, tu vas faire ça comme ça, hop, je possède déjà le permis, tac. Alors, ça, je m'en fiche, voilà. Oups, c'est pas, je crois qu'il n'y a pas prêt. Donc voilà, là, on a un pinch dépanneur. Donc, le pinch dépanneur, c'est pas grave, j'ai fait un petit fail, hein, ça arrive à tout le monde, c'est pas grave, un petit clean-up, je peux le remettre après automatiquement. Donc là, on a des dépanneurs, on a quelques véhicules déjà. Donc ça c'est pour le chef dépanneur, c'est une voiture. En gros la voiture qui va aller chercher le danger en fait, qui va aller chercher justement où est-ce que tu peux être en panne. Donc c'est le chef dépanneur qui va manœuvrer un petit peu les dépanneurs. Donc là il a le camion, celui-là c'est le camion avec les grosses LED. C'est ce que vous voyez sur les autoroutes, des trucs comme ça. Donc ensuite ça c'est pour faire transporteur. Ça par exemple ça va monter avec ça. Ensuite voilà, donc ça on a le Mercedes de la DIR, ça on a la dépanneuse, là on a la dépanneuse de base, et puis on a ce véhicule là pour aller chercher un petit peu les personnes. Donc voilà, là voilà, je vais faire un petit clean-up en attendant, voilà, que le pinch te remette, bien sûr, ce serait plus facile. Donc là au niveau pompier, on a l'ambulance. Pompier et capitaine de pompier pour l'ambulance. Là, c'est pareil. On a une deuxième ambulance. Ensuite, pour les pompiers, on a ça. Ça, c'est une ambulance aussi. Je crois qu'on en a mis un peu trop. On va peut-être en enlever une, je pense. Et ça, c'est la voiture du capitaine de pompier avec le skin de pompier, justement. Donc, qui sera bon. Qu'est-ce que je peux vous faire voir d'autre? Ouais. Alors, donc, si vous voulez, moi, je vais. Faire ça, je vais vous faire spawn ça. En gros, on peut avoir un contrôleur. Ça, c'est pour les comment que s'appelle les ah comment que s'appelle les pour les trucs là les comment que... Attendez, je vais retrouver le nom. Je m'en souviens plus. Ça doit être tout off. Voilà, c'est pour les gérants de casino. Les gérants de casino, trucs comme ça. En fait, là, on va venir. Donc, en gros, là, tu vois rien. Donc, voilà. Or, en gros, pour qu'il n'y ait pas de droit d'auteur, des trucs comme ça, je vais aller sur ma chaîne directement. Hop, on recherche ma chaîne. Tac, 23 vidéos, c'est bien moi. Par exemple, hop, on va taper vidéo. Je vais mettre. Hop. Ouais, je m'en fiche. Hop. Mon ancienne vidéo que j'avais fait sur ce serveur. Et là, on met ça. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Voilà. Salut les gens, Et voilà, je mets ça la c'est. de YouTube. Donc aujourd'hui, je vais présenter un petit ça. Voilà. Donc ça, c'est assez sympa. C'est un bon script, franchement. Y a rien à dire. Donc voilà. Enfin, ensuite là c'est le petit McDonald's. Ça, c'est pour les cuisiniers. Avec le logo qui tourne, ce n'est pas moi qui a fait la map, hein, bien sûr, c'est pas moi du tout. On l'a trouvé en mode public, hein, inquiétez-vous pas. Ça, c'est les petits bâtiments de base. Donc voilà. Après, là, par contre, nous, ce qu'on a fait juste ici, en fait, ça, en fait, c'est une zone que si la police, elle vient, elle peut se faire directement abattre automatiquement s'il sort une arme. Bon, s'il passe tout seul, bien sûr, vous pouvez le bâillonner, le ligoter, vous en faites ce que vous voulez. Donc là, ça va être pour les fermiers, cette zone-là, là. Donc voilà, ensuite, là, un petit hangar. Hein, enfin, je vous décris pas la map, après, voilà. Par contre, quand on est citoyen de base, on ne verra pas la... On verra pas du tout la carte bancaire. Donc la carte bancaire, ce qui est préférable, donc c'est de la mettre là, directement. Enfin là j'ai des armes, ouais, ça sert même pas, vous savez quoi, allez, hop. Là personnellement je vais même pas m'en servir. Voilà. Donc ensuite j'ai enlevé le destructeur bien sûr.
Donc là, ça c'est le NPC, donc ça c'est pour les adverses ou les anonymes. Donc c'est bon après, vous voyez, enfin après voilà. Ça c'est les pompes à essence, niveau essence, bien sûr, niveau électricité pour la Tesla et niveau diesel. Donc voilà, là je vais vous faire spawn le véhicule de la petite Tesla. Bien sûr, je vais descendre de mon clip. Donc voilà, franchement, niveau extérieur, je vais vous faire voir ça. J'appuie sur X, je mets les gros feux. Voilà, alors là, hors code 1, code 2. En fait, code 1, ça mettait que l'arrière. Et là, c'est code 3, donc il y a tous les feux qui s'allument. Franchement, une voiture magnifique. Niveau sirène, bah, vous allez l'écouter, c'est pas top encore, mais je pense que nous, on va bientôt peut-être mettre une autre. On va mettre. Niveau gendarmerie, je pense. Voilà. Bon, niveau accélération, je vous fais voir un petit peu. Bah, franchement. Voilà. Ah! Bah j'ai plus de points. Bon bah c'est pas grave. Ah, une bonne accélération en tout cas. Donc voilà. Je vous mettrai le lien Discord directement sur la map. Je vais mettre en même temps. Bah je vais pas mettre l'adresse IP vu qu'on donnera directement sur Discord. Donc voilà. Bah, écoutez, c'était une présentation Atlantis du serveur. Après, bah, je vais rechercher, mais ça c'est pas grave, on s'en fiche. Donc Atlantis en Dark RP bien sûr, c'est la RP Modern Rockford V1B. Donc pour l'instant je suis tout seul sur le serveur parce que j'ai demandé d'être tout seul, qu'il n'y ait personne pour le moment. Bon, il n'y a personne de connecté mais c'est pas grave. Pas cette heure-là en fait. Donc là actuellement on est jusqu'à 9 joueurs. Enfin en tout on est 9 joueurs actuellement sur le serveur en tout. Ils vont se connecter un petit peu après. Mais je mets un lien directement Discord pour, bah pour pouvoir être recruté et puis voilà. Après il faut un minimum d'heures de jeu quand même sur le Gmod, il faut avoir 15 ou 16 ans minimum quand même et d'être assez mature. Si après voilà, si jamais vous avez des questions, je vous présente mon Steam ID toujours, moi un Steam directement et puis voilà. Nous recrutons peut-être du staff après, mais ça c'est pas tout de suite, tout de suite. Donc inutile de me demander. Et voilà. Et ben je vous dis à plus et puis à plus pour une prochaine vidéo.